Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya ala Hayya ala salam. Hayya ala al-falah. Hayya ala al-falah. Allahu Akbar, Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du fa'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين گزشتہ جمعہ کے خطبے میں سورۃ الانعام کی آیات 152 اور 153 کے حوالے سے میں نے Au cours de mon précédent sermon, j'ai parlé à propos des commandements évoqués dans les versets 152 et 153 de la sourate Al-An'am. J'étais en train de commenter sur les commandements évoqués dans ces versets. Et j'ai parlé à propos du fait que l'on doit éviter le shirk, que l'on doit bien traiter ses parents, et que les parents doivent donner une bonne éducation à leurs enfants, et l'importance de cette éducation. Et je vais mentionner maintenant les autres commandements qui ont été évoqués dans ce verset. Allah a déclaré à ce sujet, « Maharama rabbukum alaykum » que ce sont des actes que Dieu vous a rendus illicites. Je vais parler à propos de ces commandements et peut-être que je ne pourrai pas terminer le sujet évoqué dans ces versets aujourd'hui, dans ce sermon. En tout cas, le quatrième point qui a été évoqué est « وَلَا تَقْرَبُ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَا » À savoir que vous devez vous tenir loin de toute infamie, de toute indécence, qu'elle soit commise ouvertement ou qu'elle soit commise en secret. Dans ce seul commandement, on trouve cette interdiction concernant de nombreux vices et de nombreux actes indécents ou infamis. Al-Fahish a plusieurs sens. Cela signifie l'adultère. Fahish signifie aussi commettre des excès. Fahish signifie aussi des actes immoraux. Commettre des actes qui mettent à mal à la moralité. Fahish signifie aussi des péchés immondes et des actes sataniques. Fahish signifie aussi prononcer ou proférer des paroles malfaisantes ou commettre des actes malfaisants. Fahish signifie aussi l'avarice. Ainsi, dans ce seul commandement, on a éradiqué des vices qui ont trait à l'individu et à la société. Dans ce commandement, on a éradiqué ces infamies qui favorisent l'immodestie au sein de la famille, au sein de l'environnement immédiat et dans la société. Si on applique ces commandements à l'adultère, eh bien sachez que dans d'autres versets du Saint-Coran, on a fixé le châtiment pour ce péché qui est l'adultère. En tout cas, ceci est un péché, c'est un acte immodeste. Et si celui qui commet cet acte est marié, eh bien, il oublie les droits de sa femme et de ses enfants. Lorsqu'il commet cet acte indécent, il oublie les droits de sa femme et de ses enfants. Si cet acte est commis par une femme, eh bien, elle oublie ses responsabilités envers son mari et ses enfants. Si la personne qui commet l'adultère n'est pas mariée, eh bien, elle va répandre la débauche et la dépravation au sein de la société. Certaines personnes font de fausses promesses
et établissent des relations illégitimes avec d'autres. Et quand il y a de la pression de la famille et de la société, et où lorsque on a brisé cette relation en raison de cette fausse promesse, eh bien, cela ne fait pas de différence pour les hommes, car au sein de la société asiatique, on couvre les défauts des hommes dans la plupart des cas. Mais en tout cas, on détruit la vie d'une femme. Et on cite de tels exemples maintenant partout dans les journaux. Et si suite à cette relation illégitime, on a eu des enfants, eh bien, on prive ces enfants de leurs droits. En privant ces enfants de leurs droits, on est coupable du péché d'avoir tué ces enfants. Où ces enfants tombent dans la catégorie des enfants qui ont été tués. Ici, en Europe, si on a su qu'il y a eu des enfants illégitimes, la loi essaie d'accorder à ces enfants quelques droits. Mais beaucoup de personnes qui sont coupables de l'adultère tuent en pratique leurs enfants. Et dans les pays pauvres, ces enfants n'ont aucun droit. Et si c'est une personne riche qui a commis l'adultère et cet acte de débauche, eh bien, la loi ne lui dit rien. Deux jours auparavant, il y a eu un article à propos d'un cas similaire au Pakistan. Il y a eu quelqu'un qui a eu des enfants illégitimes et la police a intenté un procès à la femme. Et on n'a rien dit à l'homme parce que c'était une personne influente. Ce sont là quelques cas qui montent à la surface dont on a connaissance, mais on ne sait pas combien de cas qui sont présents, des cas qui ont détruit des milliers de familles. Tout cela est parce qu'on s'éloigne des commandements de Dieu. Qu'allons-nous conseiller les non-musulmans quand tel est l'état des musulmans dans leur pays et quand ils disent appliquer la loi de l'islam alors qu'ils sont en train de commettre ces turpitudes? Allah déclare que vous ne devez pas approcher même de loin ces actes indécents, c'est-à-dire vous devez éviter tout acte qui favorise la dépravation. Et aujourd'hui, il y a différents moyens qui nous poussent à la dépravation. Il y a par exemple Internet, sur lesquels il y a des films indécents, il y a des sites indécents, il y a des films indécents à la télé. Il y a aussi ces magazines indécents. Et maintenant, ici, au Royaume-Uni, on est en train de condamner ces magazines pornographiques. Ils sont en train de dire que l'on ne doit pas vendre ces magazines ouvertement partout, car cela affecte la moralité des enfants. C'est aujourd'hui qu'ils ont compris cela. Mais le Saint-Coran, 1400 ans de cela, avait donné des commandements à ce sujet. Le Saint-Coran nous fait comprendre que ce sont des actes indécents, ce sont des actes de dépravation, et vous ne devez pas vous approcher de cela, même de loin, car cela va vous éloigner de Dieu, cela va vous éloigner de la foi. Et cela va vous pousser à enfreindre les lois. L'islam ne nous interdit pas de commettre ces infamies ouvertement uniquement, mais nous interdit de commettre ces actes dans le secret. Et c'est pour cette raison que Dieu a donné ses commandements concernant la parda ou concernant la modestie islamique. Car en portant des vêtements modestes, on stoppe toute familiarité, toute forme de mixité entre garçons et filles. Grâce à la parda, il n'y a plus cette mixité. L'islam, à l'instar de la Bible, ne dit pas que vous ne devez pas regarder
les femmes avec un regard concupiscent. Mais il est dit que si votre regard va tomber sur ces femmes, eh bien, vous allez vous rapprocher d'elles. Et il y aura aussi des actes immodestes qui vont naître de cela. Vous n'allez plus faire la distinction entre le bien et le mal. Et selon les préceptes de Dieu et de son prophète, lorsqu'il y aura une telle mixité entre garçons et filles, si un homme et une femme qui sont étrangers sont assis ensemble, eh bien la troisième personne sera Satan. J'ai donné l'exemple de l'Internet et cela concerne aussi l'usage des sites Insta, de Facebook et des systèmes comme Skype et comme le chat. Et j'ai constaté que cela a détruit de nombreuses familles. Je dois dire que malheureusement, au sein de notre Jamaat, il y a eu de tels incidents, de tels cas parmi les Ahmadis. Ainsi, l'on doit toujours avoir en tête ce commandement de Dieu, à savoir que l'on ne doit pas approcher, même de loin, ces actes immodestes, car Satan va vous maîtriser par la suite. Voilà la beauté des enseignements du Saint-Coran. Il n'est pas dit que vous ne devez pas uniquement regarder ces femmes, mais il est dit que vous ne devez pas croiser vos regards et vous devez toujours baisser votre regard. Et ce commandement s'applique aux hommes et aux femmes. Tous deux doivent baisser leur regard. Lorsque les regards seront toujours baissés, eh bien la conséquence sera qu'il n'y aura pas cette mixité libre. Et il est dit que vous ne devez pas regarder ces actes indécents, c'est-à-dire vous ne devez pas regarder ces films indécents. Et on ne doit pas non plus s'asseoir parmi ces personnes qui, au nom de la liberté, sont intéressées par ces actes immodestes et qui racontent leurs histoires et qui encouragent les autres aussi à commettre pareil acte. Et les hommes et les femmes ne doivent pas non plus se regarder sur Skype ou sur Facebook et de se parler ouvertement ou librement. Et on ne doit pas utiliser ces moyens de communication pour établir des relations, car Allah a déclaré que ce sont là des actes de débauche qui sont commis ouvertement et secrètement. Et si vous serez porté par ces actes, eh bien, vous n'allez plus pouvoir réfléchir. Et en fin de compte, vous allez enfreindre les lois de Dieu et vous allez attirer la colère de Dieu. Et aujourd'hui, on est en train d'encourager une autre perversion, un acte qui va contre la nature et en raison duquel Dieu a détruit tout un peuple. Et aujourd'hui, les gouvernements sont en train de passer des lois pour favoriser le mariage homosexuel. C'est-à-dire qu'on est en train de passer des lois et faire des efforts au sein de l'État pour encourager la dépravation et la débauche. Et certains présidents, certains premiers ministres sont en train de dire que nous désirons passer des lois pour les mariages homosexuels dans le monde entier. Et ils sont en train de dire que nous allons faire des efforts en ce sens. Il y a un premier ministre qui a dit cela. Si cela est vrai, eh bien, ils sont en train d'inviter la colère de Dieu. Et il y a un prêtre d'un pays, c'est peut-être un prêtre de l'Afrique du Sud qui a dit cela, alors que jusqu'à présent, les Africains sont en train de dire qu'on ne doit pas avoir de tels mariages homosexuels, qu'on ne doit pas passer cette loi. Mais ce prêtre qui lit la Bible,
qui doit encourager l'enseignement biblique dans lequel il est dit qu'un peuple a été détruit en raison de ses actes, eh bien ce même prêtre est en train de dire que si des couples homosexuels ne vont pas partir au paradis, eh bien moi je vais préférer partir en enfer. Voilà l'état de ces personnes. Et aujourd'hui, cette dépravation a atteint son comble. Et si l'on va commettre ces dépravations ouvertement, et si cela va se répandre, et si le monde ne se tourne pas vers les préceptes de Dieu, eh bien, ces peuples vont connaître leur fin. Certainement, ils sont en train de faire de ce monde l'enfer, et Dieu sait le mieux comment il va les traiter dans l'au-delà. Les recherches médicales sont en train de prouver que la maladie du sida est en train de se répandre parmi ces personnes, qui sont en train de commettre ces actes homosexuels, et parmi les hommes et parmi les femmes. Et Allah châtie de différentes manières. S'il a détruit un peuple sous une pluie de pierres, cela ne veut pas dire qu'il va châtier de la même manière tous les peuples. Il y a la maladie du sida, qui est une maladie très grave et dont les conséquences sont terribles. La dépravation est en train de prendre de l'ampleur dans le monde à une très grande vitesse. Et c'est la tâche de l'Ahmadi d'établir une relation encore plus ferme avec Dieu et de faire des efforts pour se protéger soi-même et protéger le monde de cette fin effroyable. Ces gens de ce bas monde sont en train d'inviter leur destruction. Ces gens de ce bas monde, pour atteindre leur objectif politique, essayent de plaire à certaines personnes qui sont en train d'enfreindre les lois de Dieu. Et ainsi, ils sont en train d'empêtrer le monde entier dans cette dépravation. Et la fin de tout cela sera la destruction. Par sympathie pour ces personnes, il est important pour nous de leur informer qu'Allah est miséricordieux et qu'Allah est celui qui pardonne les péchés. Et il a ouvert la voie du pardon. Il déclare « Walladina idha faralu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarullaha fastaghfiru li dhunubihim waman yaghfir zakarullaha fastaghfiru li dhunubihim. Il est dit dans ce verset que et ceux qui, après avoir commis une action immorale ou après s'être fait du tort, se souviennent d'Allah et lui demandent de leur pardonner leurs péchés. Et qui peut pardonner les péchés sinon Allah? Ainsi, si l'on n'insiste pas à commettre ces actes immoraux et si l'on craint Dieu, eh bien Dieu sera pardonnant. Et personne d'autre, hormis Allah, pourra nous pardonner. Ainsi, il est important d'éviter soi-même ces actes indécents que j'ai évoqués depuis le début. Et il incombe aussi à tout Ahmadi de montrer aux autres cette voie pour éviter ces actes indécents. Allah pardonne ceux qui ne commettent pas ces excès. Le Messie premier al-Salam a déclaré « Et ceux qui, lorsqu'ils ont commis une action immorale et qui se sont fait du tort, et qui par la suite se souviennent d'Allah, et qui demandent à Dieu de leur pardonner leurs péchés, et qui n'insistent pas à commettre des péchés, eh bien, sachez que Dieu est celui qui est très pardonnant. »
Il va pardonner leurs péchés. Qu'Allah accorde le discernement à toute personne qui est empêtrée dans ces turpitudes, que cette personne puisse prendre conscience de ses actes et éviter la colère de Dieu. Je ressentais un très grand besoin d'expliquer cela en détail. Et c'est pour cette raison que j'ai présenté des explications à ce sujet. Ce sont là des faits qui ont pris beaucoup d'ampleur aujourd'hui. Et le prochain commandement qui a été évoqué dans ces versets est « Wala taqtulu nafsallati haramallah » et de ne pas prendre la vie qui a été rendue sacrée par Allah. Cela fait comprendre que l'on doit s'acquitter de ses devoirs envers la société et que l'on doit traiter avec équité et justice ses frères, ses amis et ses proches et ceux que l'on connaisse. Qatal signifie pas uniquement tuer physiquement. Qatal signifie aussi briser les relations. Qatal signifie aussi usurper les droits des autres. C'est là une autre forme de tuer. Cela signifie aussi blesser les sentiments des autres. Cela signifie aussi humilier quelqu'un, humilier sa personne à tel point comme si on l'a tué dans la pratique. Cela tombe dans cette catégorie qui a été mentionnée dans ce verset. Cela signifie aussi mettre à mal à la dignité d'une personne. C'est une autre forme de tuer. Et on tue aussi spirituellement. En tout cas, Allah a déclaré que ce sont des actes qui ont été interdits par Dieu. Et la conséquence de ces meurtres sera les troubles au sein de la société. Et cela va répandre aussi la privation au sein de la société. Et ce sont des actes qui déplaisent fortement à Dieu. Allah déclare, « Illa bilhaq » sauf dans le cas de celui qui mérite châtiment. Mais même dans le cas de celui-là, on n'a pas le droit de prendre la loi entre ses mains. On n'a pas le droit de se venger et de prendre la loi entre ses mains pour assouvir sa vengeance. On doit châtier la personne qui méritait châtiment, mais cette punition doit être proportionnelle à son crime. Le coupable doit être puni afin qu'il puisse se réformer. On doit punir cette personne afin qu'elle soit une personne avantageuse au sein de la société et afin de mettre fin aux troubles au sein de la société. Mais l'on doit comprendre aussi que c'est la loi qui a le droit de châtier ces personnes. Personne n'a le droit de prendre la loi entre ses mains. Et la loi doit punir en respectant les exigences de la justice et ne doit pas commettre des excès. Et même les membres de la famille de la victime n'ont pas le droit de fixer le châtiment du meurtrier. Et c'est la loi qui a ce droit. On est en train de légiférer en ce sens aujourd'hui, mais Dieu nous a donné des commandements à ce sujet. Dieu nous demande de respecter les exigences de la justice et de châtier les coupables. Et seule la loi pourra condamner le coupable à mort. Il y a d'autres punitions qui sont appliquées par la loi. Qatal peut signifier donc couper des relations. Qatal peut signifier aussi boycotter, comme je l'ai dit. Et seule la loi ou les institutions ont le droit de placer ces restrictions. Au sein de la Jamaat, on prend aussi certaines mesures contre cette personne, pour que ces personnes se réforment et non pas pour persécuter ces personnes. Lorsqu'on prend des sanctions contre une personne, c'est pour que cette personne puisse se réformer et non pas pour persécuter cette personne. Car ces persécutions ressemblent aussi au meurtre. J'en ai fait le constat moi-même.
Si par exemple, il y a un différend entre deux personnes, s'il y a un procès entre deux personnes, évidemment, l'institution qui va juger ce différend va examiner les témoignages et va user de son bon sens et va condamner une des deux parties. Et l'institution va aussi fixer la sanction ou la peine. Et la partie adverse qui s'est sentie lésée, des fois, ils ne sont pas satisfaits de la peine. Ils disent que la peine n'est pas assez sévère et que la peine doit être plus sévère encore et que cette sanction doit être selon leur bon plaisir. Si l'on donne le droit à une des parties adverses de châtier l'autre, eh bien, après un meurtre, il y aura un autre meurtre. Et le Saint-Coran nous dit que nous devons éviter cela. Le but de ces peines, c'est d'arrêter toute forme de transgression au sein de la société. Le but de ces sanctions, c'est d'apporter la réforme, c'est de faire comprendre au criminel l'importance de son crime. S'il y a un tel cas entre deux croyants, eh bien, évidemment, lorsqu'on leur fait comprendre cela, ils acceptent ces faits. Voilà l'objectif premier du châtiment de ces peines, à savoir que d'apporter la réforme et d'arrêter ces meurtres, d'arrêter ces crimes et d'arrêter ces troubles qui sont en train de se répandre au sein de la société. Dans le verset suivant, il est dit وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنَ. À savoir que vous ne devez pas toucher au bien de l'orphelin, sauf en agissant pour le mieux. Ici, Allah a protégé les droits des personnes les plus vulnérables au sein de la société. Il n'a pas été dit que vous ne devez pas toucher au bien de l'orphelin, au capitaux de l'orphelin uniquement, car il peut y avoir un danger qu'il perde tout. C'est pour cette raison qu'il est dit que vous ne devez pas toucher au bien de l'orphelin sauf en agissant pour le mieux. C'est-à-dire, vous devez faire de votre mieux afin que ces orphelins ne subissent pas de pertes. Vous ne devez pas toucher au bien de l'orphelin pour dilapider ses biens, mais vous devez toucher au bien de l'orphelin pour lui accorder quelque avantage. Ainsi, il est dit que vous devez protéger les biens de l'orphelin. C'est là une obligation qui vous incombe. En tant que garant, les proches de l'orphelin ou ceux qui ont sous leur tutelle l'orphelin doivent protéger les biens de cet orphelin. Et la Jamaat doit protéger les biens de l'orphelin. Et la société et la loi doivent protéger les biens de l'orphelin. Comment protéger les biens de l'orphelin? Il y a différentes manières de le faire. On doit utiliser les biens de l'orphelin ou les investir dans un business afin que ces biens prennent de l'ampleur et afin que cela accorde quelque avantage aux orphelins, afin que ces enfants qui n'ont pas de parents, qui n'ont pas la protection de leurs parents, et quand il y a danger pour que ces enfants perdent leurs biens, il faut utiliser leurs biens de la meilleure façon, il faut investir leurs biens, il faut les placer dans les business afin que leurs biens s'accroissent. Ainsi, c'est une très grande responsabilité que de protéger les biens de l'orphelin. C'est une responsabilité qui est placée sur les épaules des proches de l'orphelin et sur la société. Allah a déclaré que si vous n'accomplissez pas votre devoir et si vous cherchez les prétextes pour dilapider les biens de l'orphelin, eh bien, vous serez châtié sévèrement. Il est dit, « Inna alladhina ya'kuluna al-amwala al-yatama dhulman, innama ya'kuluna fi butunihim nara. »
Il est dit dans ce verset, assurément, ceux qui dévorent injustement les biens des orphelins n'avalent que du feu dans leur ventre. Ensuite, il est dit, et certainement, ils brûleront dans un feu brûlant. Le Saint-Coran ne préconise pas de protéger les droits d'un autre et d'usurper les droits d'un autre. Il a été dit ici que l'on ne doit pas dévorer les biens de l'orphelin. Si vous usurpez leurs droits et leurs biens, eh bien vous allez remplir votre ventre du feu. Mais d'autre part, le Saint-Coran a déclaré que si en toute honnêteté, vous utilisez à bien escient les biens de l'orphelin, si vous le faites à bon escient, et si vous le faites en toute honnêteté, eh bien, ce ne sera pas là un crime. Vous pouvez dépenser des biens de l'orphelin pour l'éducation de l'orphelin. Vous avez la permission d'utiliser à bon escient ces biens, mais vous ne devez pas commettre d'excès. Et vous ne devez point être malhonnête. Il est dit, « La ta'kuluha israfan wa bidaran an yakburu. » Il est dit, « Ne gaspillez pas leurs biens à la hâte de façon extravagante avant qu'ils ne soient suffisamment matures. » Il est dit, « Wa man kana ghaniyan falyastakhfif. » Que celui qui est riche s'abstienne de toucher à ses biens de l'orphelin. Mais celui qui est en difficulté peut utiliser les biens de l'orphelin pour dépenser sur l'orphelin pour son éducation. Et il est dit à ce sujet, et celui qui est pauvre en prélève seulement ce qui est raisonnable. Ce qui est raisonnable signifie de dépenser sur cet orphelin. Si quelqu'un vit dans le dénuement, et qu'il ne peut pas s'occuper de l'orphelin en puisant de ses biens, eh bien, il peut utiliser de ses biens de l'orphelin pour subvenir à ses besoins. Voilà la permission qui a été donnée. Mais il a aussi été dit que l'on doit protéger ses biens et que l'on doit aussi faire accroître ses biens. Et le véritable garant, le véritable protecteur doit agir en ce sens. Il est dit, « Hatta yablura ashudda » jusqu'à ce qu'ils atteignent leur maturité et jusqu'à ce qu'ils soient à même de s'occuper de leurs biens. Voilà le droit de l'orphelin, voilà le droit de ces couches vulnérables. Il faut protéger leurs biens jusqu'à ce qu'ils atteignent l'âge de la maturité. Lorsqu'ils sont aptes à s'occuper de leurs biens, on doit retourner à ces orphelins leurs biens. Mais il y a un autre point clarifié aussi. Dans certains cas, certains orphelins arrivent à l'âge de la maturité, mais ils ne sont pas à même de s'occuper de leurs biens. Ils ne peuvent pas protéger leurs biens. Dans ce cas, tant qu'ils ne sont pas aptes à protéger leurs biens, ou s'ils sont inaptes complètement, eh bien, on doit protéger leurs biens de façon permanente. Il y a ces personnes qui, en dépit d'être inaptes, peuvent se marier. Même s'ils se marient et qu'ils ont des enfants, eh bien, jusqu'à ce que ces enfants atteignent l'âge de la maturité, la société, les proches et la jamaat doivent s'occuper de leurs biens, doivent protéger leurs biens. Le Messie promis alayhi salam a déclaré à propos de la protection des biens de l'orphelin. Il a évoqué ces commandements de Dieu. Il a déclaré que s'il y a quelqu'un qui est riche parmi vous et qui ne possède pas ses aptitudes, par exemple quelqu'un qui est un orphelin,
et qui peut dilapider ses biens en raison de sa sottise, eh bien, vous devez, en tant que protecteur, rendre ses biens sous votre protection et vous ne devez pas confier ces biens sur lesquels dépend la subsistance de ces personnes. Et vous devez utiliser à bon escient de ces biens pour vêtir ces orphelins et pour les nourrir. Et vous devez leur dire de bonnes choses, c'est-à-dire vous devez faire accroître leur intelligence et vous devez faire leur tarbiya. Et il ne faut pas qu'ils soient toujours inaptes. Et si ce sont des enfants d'un commerçant, eh bien vous devez leur enseigner le commerce. S'ils appartiennent à une autre profession, eh bien vous devez affermir leurs connaissances. Vous devez leur enseigner et vous devez de temps en temps les éprouver et mettre à épreuve leur entendement et leur demander s'ils ont compris ce que vous leur avez enseigné. Mais s'ils arrivent à l'âge de se marier, s'ils ont 18 ou 19 ans, et si vous voyez qu'ils ont un jugement saint, eh bien, vous devez leur remettre leurs biens. Et vous ne devez pas gaspiller à la hâte leurs biens. Attention qu'ils grandissent, attention qu'ils soient matures et qu'ils demandent leurs biens. Que celui qui est riche s'abstienne de ses biens et qu'il ne touche pas aux biens de l'orphelin. Mais celui qui est pauvre peut en prélever seulement ce qui est raisonnable. Selon la pratique des Arabes, si quelqu'un était le tuteur d'un orphelin et qu'il voulait utiliser les biens de l'orphelin, eh bien, il investissait le bien de l'orphelin dans un business et utilisait du profit et ne touchait pas aux capitaux. Il dit ici que vous devez agir de la sorte. Et quand vous allez retourner les biens de l'orphelin, eh bien, vous devez présenter cela devant des témoins. Et s'il y a quelqu'un qui a laissé derrière lui des enfants faibles qui sont en bas âge, il ne doit pas faire un tel testament qui va priver les orphelins de leurs biens. Celui qui dévore les biens de l'orphelin et qui commet ses excès contre ces orphelins n'est pas en train de consommer ses biens, mais il est en train de consommer le feu et il finira dans le feu brûlant. Dieu a évoqué donc ces points qui concernent l'honnêteté. L'honnêteté signifie respecter ses conditions. Si vous n'utilisez pas toute votre intelligence pour respecter ces exigences de l'honnêteté, eh bien, vous serez coupable de malhonnêteté. Si l'on ne va pas respecter toutes ces conditions, eh bien, l'on sera coupable de malhonnêteté. Ainsi, il faut prendre maintes précautions lorsqu'on s'acquitte de ses devoirs en ce sens. Dieu nous encourage à marcher sur les voies de la taqwa dans le Saint-Coran. Il nous demande de faire notre analyse de conscience et de nous demander si nous sommes en train d'accomplir nos devoirs. Et nous devons faire de mieux afin de respecter nos charges. Attention que l'on soit coupable de malhonnêteté. Attention que l'on est en train de remplir son ventre de feu. Ensuite, Allah a déclaré « Wa alful kayla wal mizana bil qist ». Il est dit ici que vous devez donner pleine mesure et le bon poids. Il est dit ici que vous devez respecter les exigences de l'honnêteté et de la justice lorsque vous faites votre commerce. On a établi auparavant les droits des orphelins, les droits des personnes vulnérables de la société. Et on a dit que l'on doit faire preuve d'honnêteté par rapport à leurs biens. Et il est dit dans ce verset que l'on doit faire preuve d'honnêteté et de transparence dans ses transactions avec les autres et l'on ne doit pas tromper l'autre. Si l'autre n'a pas connaissance d'une affaire, vous ne devez pas non plus le tromper. Le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, a déclaré que si vous êtes en train de vendre un objet et que cet objet a certains défauts, eh bien, vous devez montrer cela afin que l'acheteur puisse savoir qu'il y a de tels défauts. Dans une autre injonction concernant le commerce et les transactions, et concernant l'honnêteté à ce sujet, Dieu a déclaré « Dhalika khairu ahsanu ta'wila ». Dieu déclare que cela vaut mieux et le résultat en sera meilleur.
à savoir que le bon commerçant est celui qui donne bon poids et bonne mesure. Ce bon commerçant aura une bonne renommée et conséquemment, son business va s'accroître et il aura beaucoup de clients. Si vous allez tromper les autres, eh bien votre business va tomber à l'eau. Allah a déclaré aussi que quand vous allez tromper les autres, cela va créer des troubles. Malheureusement, je dois dire ici qu'autant que le Saint-Coran enjoint l'honnêteté et met de l'emphase sur ses commandements, dans la même mesure, les musulmans sont coupables de malhonnêteté. On parlait auparavant de l'honnêteté des musulmans. On cite l'exemple de celui qui voulait vendre un cheval. Il a dit que ce cheval coûte 500 dirhams. Un autre compagnon du Saint-Prophète a vu ce cheval. Il a aimé ce cheval. Il a dit que je veux l'acheter. J'aime ce cheval, mais ce cheval ne coûte pas 500 dirhams. Le vendeur croyait que l'acheteur allait dire que ce cheval coûte moins. Mais il a dit le contraire. Il a dit que c'est un cheval de race et ce cheval doit coûter 2000 dirhams et prenez 2000 dirhams de moi. Et l'acheteur et le vendeur commencent à discuter. Celui qui vend ne veut pas prendre plus de 500 dirhams et celui qui veut acheter ne veut pas donner moins de 2000 dirhams. Voilà l'état de ces musulmans d'antan, ceux qui avaient vécu en compagnie du Saint-Prophète Mohammed, soit lui en compagnie de ses compagnons. Hadrat Muslim Maoud a cité un exemple à lui. Il a dit que lorsqu'il avait 19 ou 20 ans, il était parti au Cachemire. Et là-bas, on tissait des tapis à la main. Il a aimé ces tapis. Il a visité cette région et il est parti voir un de ses fabricants de tapis. Et celui-ci a dit que je fabrique des tapis de bonne qualité et le musulman lui a demandé de lui fabriquer 4 ou 5 et lui a dit la taille de ses tapis. Hadrat musulman a dit que lorsque je suis retourné pour prendre mes tapis, j'ai constaté que ces tapis étaient plus petits de taille que ce que j'avais dit. Il y avait une grande différence dans la taille. Il y avait 15 cm de différence dans la taille de ces tapis. Le deuxième calife lui a dit que je t'avais informé à propos de la taille. Je t'ai dit cela devant des témoins. Et les tapis que tu m'offres sont plus petits en taille et tu me demandes le même prix. Et le fabricant du tapis, au lieu d'être embarrassé, au lieu de baisser le prix, il a dit que je suis musulman. Et il insistait en disant que je suis musulman. Et toi, tu es en train de dire que ce tapis n'est pas à la taille exacte. Ainsi, aujourd'hui, on peut commettre n'importe quel méfait et se dire musulman pour dire que cet acte devient licite. Ce n'est pas une histoire ancienne. Moi-même, j'en ai fait le constat. Il y a une personne qui exporte du riz du Pakistan et qui m'a informé à ce sujet. Il m'a dit que lorsque nous exportons du riz basmati de qualité supérieure à l'extérieur, eh bien, nous mélangeons cela avec du riz de qualité inférieure. Et il m'a expliqué la méthode. Il m'a dit que on prend un tube de plusieurs centimètres et on place cela dans le sac du riz et on place le riz de mauvaise qualité à l'intérieur de ce tube et on place à côté du riz de qualité supérieure. Et les gens croient que c'est du riz basmati. Et par la suite, on enlève le tube et ces deux riz se mélangent. Et les autres ne savent pas s'il y a deux qualités de riz à l'intérieur. Voilà l'état de ces businessmen. Et c'est pour cette raison maintenant que le riz de l'Inde a gagné le marché. Alors que ce riz de l'Inde est de qualité inférieure par rapport au riz du Pakistan. Le riz indien a gagné du terrain. Et peut-être qu'il y a des exportateurs qui envoient le riz directement. Et il y a ces Ahmadis qui exportent le riz personnellement. Sinon, en raison de cette malhonnêteté, les gens ont su cela. Ils savent qu'on est en train de leur tromper concernant ce riz pakistanais. C'est pour cette raison qu'ils n'achètent pas du riz du Pakistan.
et les exportateurs sont en train d'envoyer leurs ripartous. Et ces personnes malhonnêtes ne comprennent pas que leurs business ne seront pas bénis en raison de leur malhonnêteté. Ils vont tout perdre. Dans un hadith, le saint prophète a déclaré que si le commerçant dit la vérité et s'il y a des défauts dans le bien qu'il vend et s'il évoque cela, s'il en fait mention, eh bien Dieu va bénir son commerce. Et si tous deux commencent à mentir, si l'acheteur et le vendeur mentent et s'ils essayent de cacher un défaut, s'ils commencent à mentir, eh bien il n'y aura pas de bénédiction dans leur business, dans leur bien. Si vous voulez être béni, eh bien, vous allez devoir faire preuve d'honnêteté, vous allez devoir respecter ses exigences. Si vous allez agir en ce sens, c'est là que vous serez considéré comme un véritable musulman. Dans un autre hadith, le saint prophète Mohammed a déclaré que lorsque vous pesez quelque chose, eh bien, vous devez vous baisser, c'est-à-dire, même si vous devez tenir plus, vous devez le faire. Voilà la norme que doit atteindre un musulman dans ses transactions. Si le commerçant est honnête, s'il est honnête dans ses transactions, eh bien, il aura un très grand statut aux yeux du saint prophète Mohammed, paix soit sur lui. Il a déclaré que le commerçant honnête sera en compagnie des prophètes, des siddiques et des shahides. Qu'Allah fasse que toutes ces personnes qui se disent être suivantes du saint prophète soient honnêtes et qu'ils puissent suivre les ordres de Dieu et de son prophète. Chacun d'entre nous doit faire son analyse de conscience. Il y a beaucoup d'Ahmadis qui font aussi du commerce. Sommes-nous en train de respecter ces commandements divins à ce sujet? Est-ce que nous sommes en train de protéger les droits des personnes vulnérables parmi nous? Est-ce que nous sommes en train de faire preuve de justice et d'équité? Est-ce que nous sommes en train de protéger les droits de tout un chacun au sein de la société? Est-ce que nous sommes en train de nous protéger de ces péchés, de ces vices? Ces Ramadans qui viennent pour nous encourager à accomplir de bonnes œuvres. Et on doit consacrer notre attention à ce sujet, qu'à la fois que chacun d'entre nous, nous puissions éviter ces péchés qui ont été condamnés par Dieu. Alhamdulillah. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر